Et salut à tous, c'est Noé et bienvenue pour la suite de Home, Switch Home. Ah oui, il faut que je relance la cinématique. Voilà. Bon, on va aller nourrir le prata, c'est ça? L'énorme bestiole. Jane, attends, je sais où est la bouffe. Normalement, on devrait y arriver. Super méga burger, pizza raclette, oh putain. Comment prendre 50 kilos d'un coup? Tu me donnes une chiffre, mais juste une. Oh, c'est gentil. Allez, on a les allumettes. On va essayer de pas crever. Oh là là là. Oula, 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 oula. Très bien. Alors, faut qu'on aille chercher, je crois qu'il y a des clés là-bas. Là, il y a un truc ou pas, je sais plus. Je vais y retourner vite fait, un doute. Là, il y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, oula, mauvais plan. Ok, j'ai les clés. La bouffe est là-bas. Il y aura peut-être à récupérer au retour du coup. Ah non, il y a une deuxième clé à aller chercher. Je sais plus où elle est. Attendez. Elle est là-bas. Oh là 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 là. Tu dois recommencer ce passage. Bah oui, on n'y était pas arrivé. On n'avait pas trouvé la bouffe. Le pétra, oui. J'ai la deuxième clé. Wouah ! Ok, alors. On rouvre ces deux trucs. Hop, voilà. Là, on récupère l'encens. Calme-toi, voyons. Maman va peut-être partir manger. Vous entendez bien, le son du jeu est pas trop fort. Y'a pas un truc à récupérer ici? Ah oui, il y avait un tournevis ici. Ah, il y avait pas un tournevis? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il s'énerve. Tu te calmes, oui? Elle a le tournevis a apparu. C'est bizarre. Tu t'en vas? Tu veux pas me rapporter un truc? Allez! Tu me commandes un petit bateau? S'il te plaît? Une raviole? Une nouille? Bisous. Une nouille? Non. Oh, je suis trop triste. Ah, oh, ça me brise au cœur. Alors. Non. Il m'a trop pas vu. Il n'y a plus qu'à aller chercher la bouffe normalement. Putain, mais c'est loin là. Il faut que j'aille jusqu'à là-bas. Mais il enlève toutes les tables, le salon. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, le connard! Comment je vais faire? C'est là-bas la bouffe là. Sérieusement? Oh, mais calme-toi, quoi! Dis,
vite. D'être un mangeur de table. C'est chaud, il y avait un Vata qui était à côté, je pouvais pas faire autrement. Oh non, c'est chiant, faut tout recommencer du début. Coucou Kakraoki. Pète un coup, pète un coup. N'importe quoi. Ah, oh, fais chier, faut toujours qu'on mince. Mais oui, mais le salaud, il enlève les tables. Oh. Jane? Tim! No! Don't follow me! Jane, it's me! Keep away from me! Ce chat est trop mignon, bad, en fait. Ah, merci. Ça va, tu as reconnu que c'était un chat, les gens pensaient que c'était Mimas au début. Oula, oula, chou, folle, chou, folle, chou, folle. Je suis une dingue, je suis une dingue. Calme-toi, Patrick. Ça suffit. Merde, mais y'a rien ici, pourquoi je viens ici à chaque fois? Il a l'air mignon aussi. Quel enculé! J'aimerais bien qu'on y arrive quand même au bout d'un moment. Voilà, 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 voilà. Le chat des masses. Oui. On va essayer d'aller chercher la bouffe avant en fait. Oh merde, 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 merde. Bon, on va pas très bien son œil, je trouve. Attendez, on va attendre qu'il repasse. Ok. Il aurait dû tourner la tête, il m'a vu quand même. Oh non, ça me cassait les pieds ce passage. Coucou Némé, il y a des bras de 10 mètres de long qui traversent le plafond. Oui. Oui, oui, on avait vu. Putain, pas envie de passer ma soirée sur ce passage. Ah. Putain, putain. C'est relou, je suis pas patiente en plus pour faire ce genre de truc. Non, don't follow me. Jane, it's me. Keep away from me. Tu peux courir s'il a pas les yeux rouges. Ouais, mais j'essaie de le faire des fois, mais... J'arrive pas. J'arrive pas bien à comprendre où il pose son regard en fait. Oh
de don que cette Jeanne, elle sert à rien. Genre, il m'a vu alors qu'il n'y avait plus le faisceau. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous pigez? J'attends qu'il revienne voir. Mais non! Les enculés! Bon, moi j'ai eu la bouffe. Non, 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 non! Non, pitié, pitié, pitié! Il enlève toutes les tables, ce salaud. Salaud. Là, c'est le passage un peu relou, ouais. Mais bon. Mais il y a eu des passages super cool, ouais. Ah, mais on va arriver à le passer, ce passage, vous inquiétez pas. Allez, on ouvre ça. Cette fois, on a la bouffe. Faudra juste retourner vers la table. Et on sait qu'en dessous, vous ne voyez pas. Juste en dessous de lui. En fait, ouais, je crois que j'ai déjà ramassé le truc là-dedans. Allez, on a l'encens, on a les allumettes. Il n'y a plus qu'à retourner vers la table. Mais d'où, 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 d'où? Mais non. N'importe quoi, des fois il me voit, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Hein. Il a enlevé toutes les tables, je sais pas comment je vais faire là. Hein. Non mais, ça me l'a vu. Faudrait qu'on court carrément. J'essaie de bien me placer pour bien voir son faisceau. Bonjour. Putain, on a réussi. J'ai vraiment une peur. Jeanne et Serge, coup de fou de match de volleyball. Ah mais Scott, nickel. Moi je suis dégoûtée, j'ai mon coloc là qui va au resto avec ses patrons. Avec des mecs de son boulot et tout, avec des supérieurs, et ils vont au sushi raid. Alors que moi, ça fait au moins 3 semaines à moi là que j'en rêve et que j'ai jamais eu le temps d'y aller. Je suis dégoûtée. Bon, je sais que c'est pour le boulot, c'est pour le travail, mais bon, je suis dingue. C'est pour ça que je lui ai dit tout à l'heure, amène-moi une raviole ou amène-moi un truc. Et le jeu a pas bugué là? Ah non, me dites pas que le jeu a bugué. Ah non, j'avais juste la tête vers le ciel, en fait. N'importe quoi. Fouh, on a passé ce passage. Yay. Oui, tu peux le prendre. Alors, ah oui, c'est là qu'on a mis le jeu en français. C'est génial. Une poursuite qui se termine avec une barre d'acier dans l'œil. À 2h du matin, la police de Yasotorn poursuivait un gang de mentards sur les autoroutes de la province. Plusieurs individus ont été arrêtés, mais certains se sont échappés. Parmi eux, Piché Mana Payboon a fini sa course derrière un camion avec une barre d'acier à travers l'œil gauche et traversant le cerveau après un accident pendant qu'il essayait de s'enfuir. P-
Pichai, ou aussi appelé Tai, était un suspect de plusieurs cas de vol de moto. La police collecte en ce moment toutes les preuves et témoignages pour continuer l'investigation. Le corps de Pichai a été envoyé à sa famille, qui ont appris la nouvelle et sont en train de préparer les obsèques. Oh putain, j'arrive plus à parler. Le temps de chargement du ciel, ouais, c'est ça. Oh, where did she go? Jeanne? Jeanne est ici, trouve-la. Putain, elle doit être cachée quelque part. Elle va me faire peur, je sens bien. Jeanne! Putain, j'entends encore les putains de chants de Noël dehors. Sans du ciel. Ça va me faire péter un câble, hein, je vous jure. Je vais lui péter la gueule à ce haut-parleur. Oui. Je me suis encore réveillée au milieu de la nuit. Pas dans la chambre, mais au milieu de la maison. Tout semblait si flou. Je pouvais échapper au sentiment d'être observée depuis l'intérieur de la maison. C'était comme ça. C'était comme si ça s'est essayé de me tuer à l'intérieur de ce cauchemar. Jeanne, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis en manque de sushis depuis des mois. Non, mais moi je suis dégoûtée. Moi, ça fait trop longtemps que j'attends de manger là-bas. Et là, il y va avec ses patrons. Quoi, je suis dingue. Je retrouve lui qui me ramène un petit bateau là. J'ai envie de nouilles au bœuf, putain. Et de ravioles vapeur. Ah. Jeanne? J'ai pas trouvé Jeanne, hein. Oh, je vais péter un câble. Tout à l'heure, je l'entendais plus, et là, j'entends... Il faudra bien te couvrir. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Home? Ah, je suis rentré chez moi. Jane's still there. We need to get her out. Sauf que c'est le bordel. Trouver un chemin pour sauver Jane. Oh, oh ta mère. Oh ta mère, c'est pas cool. Pourquoi c'est fermé ça? Il y a des bouteilles d'alcool de partout. Ah, quelqu'un renverse à ma maison. Petit papad, ouais. Ok, on vient bien de voir la bouteille faire de la merde toute seule. Ouais, on a encore un bout de la photo. Oh, eh, ça me rend folle, hein. J'entends la musique là. Ils vont l'arrêter quand leur putain de musique de merde? Putain, j'étais toute contente. J'étais à fond dans l'ambiance Noël et là c'est en train de m'en dégoûter. Et c'est que le premier jour. Parce que je suppose que ça va durer tout le mois de décembre. Je vous préviens, je vais devenir folle, je vais tuer quelqu'un avant la fin du mois de décembre. Oh putain. Ouais, je suis en train de craquer parce que là j'entends la musique, c'est super relou. Alors pourtant j'ai mis le son du jeu fort, j'ai un casque et tout et... C'est en train de... Marrant de taré. Ouais, ça te fait rire, hein? Ouais, Jane. La nuit dernière, j'étais sur le point de m'endormir quand j'ai entendu du bruit en bas. Je pensais que c'était Tim qui était rentré, mais quand je suis descendue, il n'y avait personne. Pas de cambrioleur, donc tous les objets étaient à leur place. Quelque chose attira mon attention. Le cadre de la photo de Jim et de Tim et moi était tombé. Je l'ai remis en place plusieurs fois, mais il est retombé à chaque fois. Ah oui, c'est ce qu'on avait fait, on l'avait remis en place et j'avais fait remarquer qu'il était retombé. Le socle n'est peut-être plus solide, ça doit être ça. Je crois pas que ça puisse être autre chose. Pas vrai? Ah, bizarre. Oh, sa mère! J'essaie de rentrer dans le mur en mode non! Je veux pas! C'est ouvert. Putain, cette chanson de merde là. Coucou Park. Resto asiatique à volonté pour 45€. Bah ben nous c'est japonais et c'est 30€, je crois, un truc comme ça. Tu sais, c'est pas gentil. Qu'est-ce qui se passe?
les enceintes qui font du bruit. Il y a des bruits bizarres. Je crois que c'est cette musique qui m'a réveillé, c'est le petit Papa Noël. Je suis en train de devenir folle. Vous ne le voyez peut-être pas, mais je suis en train de devenir folle. Oh putain. Il y a des chiffres. 44, 41, 39, 38, 37, 36. C'est pas un code, hein? Non, je pense pas. Des numéros de porte, peut-être. Attends. Ah, le truc est trop gros. Pourquoi on voit le 13 beaucoup plus longtemps? On n'arrête pas de la redresser. Ah mais il y a... Bah ouais, parce que j'avoue, 45€ c'est cher quand même. Hein. Parce que... Moi, je sais que quand j'y vais avec... avec mon coloc, la dernière fois qu'on y allait, on a payé combien? Je crois qu'on a payé 60€ et on a pris du vin à côté, quoi. 60€ les deux, hein. Donc bon. Ouais, je crois que c'était ça. Toujours rien. Ah non, mais je suis pas à Lyon, moi. Hein. Enfin, je suis lyonnaise, certes. Parce que de toute façon, je suis née à Lyon, mais je suis pas à Lyon, là. Ta tête, tu dois t'imaginer en train de la tuer. Ah ouais, non, mais là, ça m'énerve. Là. Je vous jure, je l'ai entendu toute la journée, ça m'a énervé. En plus, je voulais enregistrer aujourd'hui. Du coup, je l'ai pas fait. En, pas que à cause de ça, mais en partie à cause de ça. Il y a un autre câble, là, qui est tombé. Hein? Attendez. Quelqu'un a bougé mon placard, je crois. Oh, ta mère... Et qui bouge mes placards comme ça? Oh les boules. Oh, il y a du sang. On dirait que le téléphone est en haut alors qu'il est en bas. Ah non. J'ai rien à dire. T'as un resto Jap juste à côté de chez toi. Ah, c'est stylé, ouais. Bah moi, là, je suis en train de chercher un appart. Et justement, tous les apparts que je regarde sont juste à côté du resto que je vous parle depuis tout à l'heure. Donc je suis en mode, ah, oh, trop bien. Ça sent la mauvaise idée d'un côté, mais en vrai, ça va être trop bien. Liste de contacts. Pourrait aller voir. Ok, il se passe plein de trucs. Nous, on parle de resto japonais. Il se passe plein de trucs chelous en même temps. Nous venons tout juste de rentrer du restaurant. Ah bah bah voilà. Mais tout est lié. Ruan Saru, notre restaurant préféré. Nous nous sommes fréquentés lors de notre première rencontre. Aujourd'hui est encore un jour spécial car Tim a été promu en tant que chef des techniciens. Bravo. Ça me conforte de le voir aussi ambitieux. Je me sentais mal par rapport à tout ce qui a été fait pour moi. Tim se dévouait entièrement à son travail. Enfin, regardez-moi, peu importe. Ça va aller, je vais faire de mon mieux pour réussir dans ma carrière, moi aussi. Mon prochain livre sera un succès. Ah, elle écrit des bouquins. D'accord.
Je suis en train de penser à un truc. Là, le jeu, il me fait grave penser en fait à Silent Hill 4. Vu qu'on est, vous voyez, on est dans un appartement. Dès qu'on sort de l'appartement, on apparaît dans un autre lieu. Oh. Je ne vois pas mon reflet et ça coule du sang, je suppose. Enfin ouais, ça fait pas mal penser à Silent Hill 4 du coup, pour le moment. Putain, on a... Quelqu'un a encore baissé le truc. C'est un zine, tout est lié. Complètement. En fait, eux aussi vont au Sushi Ren. Putain, mais j'ai trop envie de... Je suis dégoûté! Je suis dégoûté. Oh putain. Tellement envie d'un Maki California là. Avec des raviolis vapeur. Ça, je peux pas les relever. Ah! Oh! Je ne peux pas bouger. Dans l'angle. Jane, there's nothing there! Il n'y a rien du tout, oui. C'est un souvenir ou. Oh, pas cool! Dans l'angle. Où ça? Où ça? Elle était là? Y'a rien! T'as pas eu une petite remarque à faire avec tout ce sang? Non, c'est bon. Tu t'en fous. Suis con, j'aurais dû m'y attendre, mais bon. Oh putain! Oui, mais ça l'indique 4, c'est mieux. Oui, d'accord, mais bon. Ça m'étonne d'Amityville, ouais. D'onigiri, jamais goûté, je crois. Bonjour, petit homme noir. Je veux plus sortir. Non, y a rien là, même pas une petite page du journal, y a rien. Ah, je suis les traces de sang, c'est ça. Et si j'ai pas envie? Putain, c'est encore le bordel. Oh, ta mère. Je sais que c'est que des sons, mais ça me stresse. Non, non. Non. D'accord. C'est pas mal. Ah. Ah oui, d'accord. Je vais me faire bouffer par un Père Noël! Je suis passé dans le sang. Loading! Jeanne au secours, ouais, non, c'est. Jeanne et Serge, mais pourquoi Serge? Perdu 10 litres de sang. Ah oui, bah là, si c'est son sang, oui, je pense qu'elle est bien morte. Hein. On va la retrouver toute. Toute sèche. On va appeler Valérie Davido quand même pour quelques finitions. Allez, on s'est TP un nouvel endroit. Non, mais c'est vrai que la mécanique, du coup, fait pas mal penser à Silent Hill 4, c'est marrant. Ils ont dû. Il y a des chances qu'ils soient inspirés de ça. Il faut retrouver Jeanne. Sans déconner! Bon, bah, je me suis TP avec la tache de sang. Nickel. Je suis dans le même bâtiment que le début du jeu. Ah, mais nous sommes dehors. Non? Il y a une putain de souris. Quelqu'un qui se touche.
serait gentil de m'ouvrir les portes comme ça, mais... Vous n'êtes pas obligé, hein. Je me chie un peu dessus, est-ce que ça se voit. Tim est rentré jusqu'à l'aube. Que? Enfin, il est rentré qu'à l'aube. Était-il quelque part en secret? Mais non, il travaille, ne sois pas bête. Il m'aurait prévenu s'il aurait plus de travail. Pauvre Tim. Bon, Tim m'a envoyé une photo à côté de lui, c'est Doo. Son meilleur ami d'enfance. Ils ont l'air mignons tous les deux. Je me demande s'ils sont toujours proches. Elle fait des petits dessins avec des petits smileys et tout, j'avais pas vu. Très mignon. Ah! Si je peux me cacher, ça pue. Coucou vampire neuronelli! Je suis dans je vais pas pouvoir rester, d'accord. Pas de soucis. Déjà, tu fais un petit coucou vite fait, c'est déjà ça. C'est bien gentil. Je sais qu'elle va apparaître l'autre. Je le sais. Oh, le PC a changé un truc. Qu'est-ce qui se passe, quoi, oui. Ça, je peux voir dans le couloir, c'est... Oh, horrible, je vois des yeux. J'ai vu un truc. Ça, on va retrouver la fille du début, surtout. Oh. Et si j'ai pas envie? Ah, y a plein de trucs pour se cacher, ça pue. Ça pue, ça pue. Tu vas manquer. Oh, mon touristy. Je me suis caché juste devant elle. Hein? Hein? Quoi? Je suis où là? Ouais. Bah oui, c'est bien ce qu'il me semblait. J'ai cru que le jeu avait bugué. Bon, sympa la transition. Non, vraiment cool. Mais au début, je me suis dit, attends, mais le jeu il a bugué. Pourquoi je vois pas les trous du casier? Jane, wait! Please! Putain, mais vas-y, elle est casse-couille. Jane! Fuck! Des voisins, on en a plus. Ah, trois moyens d'enlever la clé rouillée avant d'ouvrir la porte. Bon, on vient pas de l'enlever? Oula, oula. PC, charge quelque chose. Non mais si un chandelier s'enclenche dans ce genre d'endroit, c'est plus flippant qu'un sur en vrai, j'avoue. Non mais là, je les entends encore, c'est chiant, je vais monter un peu le son. C'est méga relou, c'est méga relou. Ah, on va revoir le gros monstre. Non. Il y a un mot bizarre. C'est quoi ce bruit? C'est elle, non? C'est elle qui faisait ces bruits chelous. On se la photo d'un coup, première partie. Shane est écrit dessus. Putain. Il y a plein de trucs pour se cacher, ça pue. Putain, c'est quoi ce bruit? Ça me stresse. Putain, ça s'est ouvert en grand tellement vite. Je suis pas rassuré. Ah, ça sent bien en plus les trucs pour passer. Ah non, non, non. Je n'ai rien dit. Putain, elle est pas loin. J'ai les boules. Mais juste là! Oui, mais c'est pas elle!
Spell, c'est un mec noir et tout nu. Monsieur. Et qui a pas de pied. Je peux pas me cacher dans ce casier là. Je vais crever. Ah, ça marche plus le faisceau. Je le sens pas du tout ce passage non plus, ouais. Ah, la rouille de la clé. Ah, j'avais pas compris. Je sais pas où aller. C'est stressant ce bruit. Il était un peu détruit. Ouais, il avait l'air d'avoir des trucs dedans, je sais pas quoi. Mais c'est quoi ce bruit? C'est elle? Plapla, roploplo, raplapla. D'accord. Je me suis barré dessus dans tous les sens encore. Il claque des dents. C'est trop bizarre. Je suis morte comme un caca. C'était la mort de Nao. Je me cache devant les ennemis car c'était plus marrant en fait. Mais en fait, le truc c'est qu'elle court plus vite que moi. Et je me serais cachée dans votre casier, elle m'aurait vu, je pense, non? Je sais pas. Oh non, mais je veux pas. Oula. Oula. Putain, mais ce bruit, ça me stresse. Putain, les chansons de Noël dehors aussi, ça me stresse. Genre tout à l'heure le mec il m'a vu alors que j'étais caché hein. Alors c'est peut-être scripté, peut-être que j'ai pas le choix mais... Je te vois hein. On va peut-être activer le truc une première fois. Je pense que j'ai pas le choix. Des gros bisous à Vampire Nelly. C'est elle qui fait ce bruit là, ça me stresse. C'est bon, je puisse pas passer en dessous des trucs là. Regardez ici, ça aurait été parfait pour passer, mais je peux pas. Je peux le voir.
Putain, elle revient, non? Quel joli casier! On va observer son pattern, après on verra. C'est cassé. Oh là là, va falloir faire un truc. Est-ce que je peux me cacher là? Ah oui. Garder, appuyer, se cacher. Oh, ah ouais, d'accord. Genre là, je suis caché, je suis pas caché. Il y a un autre jeu que tu devrais faire aussi. Si tu me dis Pitview Drive, c'est mort. Quitter, c'est... Ah ok, c'est là qu'on devra faire le ménage. Le ménage. On va faire le ménage, allez. Le mélange, je pense. Ok, ça c'est le truc à ouvrir. Russ Water Oxalic. Je vois rien du tout. Je sais pas où elle est, je l'entends, je sais pas où elle est. Genre elle m'a vu n'importe quoi. Wow, on va se mettre sur des crânes. Elle est carrément en train de regarder dedans là. Premier lave pour moi. Oh, ça fait plaisir, bienvenue. Installe-toi confortablement. Oh, mon thé doit être froid, mieux. Elle est là, elle est là. On va en profiter pour sortir. Je sais pas quel tour elle fait après. Je pense qu'il faudrait mieux rester derrière elle. Ça fait un demi-tour, on est dans la merde. Mais... j'attends qu'elle sorte de la salle. C'est horrible, je l'entends bien là. Pour un coussin, si j'avais de la peur pour te cacher les yeux, ouais. Que moi que ça dérange pas le thé froid, je suis pas fan. Hein. À part quand t'as prévu de base d'en boire un froid, tu vois. Mais si, en fait, je peux me cacher dans celui-là aussi. Hein. Elle repasse, elle repasse.
Ok. Donc là, j'ai l'Oxatruc. Et les autres produits, on les trouve où? Après, j'ai pas regardé dans la boue, il y avait peut-être des produits qui traînaient. Parce que là, je peux pas aller en haut de toute façon. Non, mais c'est forcément à cet étage, non? Bah, il y avait rien, non? Non. Je peux où aller du coup. On va attendre ici parce que je sais pas du tout où l'un est dans son tour là. Ah, il est là-bas. Elle vient pas jusqu'ici, j'espère. C'est vrai, ça fait un moment que tu suis à la chaîne, ça fait plaisir. Je sais qu'en ce moment les vidéos elles sont pas trop présentes, mais ça va reprendre. Oh, putain, mais elle vient jusqu'ici. Oh la pute. Et où? Où elle est, lol. Alors ça. Ça va reprendre, j'attends surtout de déménager en fait, parce que ça sera beaucoup mieux. Une fois que j'habiterai toute seule. Voilà. En tout cas, c'est bien, elle fait toujours le même tour. Est-ce que genre, est-ce que là, il y a des produits? Peut-être, non? J'attends qu'elle repasse et je vais essayer de fouiller un peu mieux la pièce. Ça marche, Corentin, à toutes. Voilà, oh, reviens. Je vais faire pipi, ça y est. Le TAJ. Ok. J'espère qu'elle m'entend pas quand je suis debout. Y a rien que je peux prendre. Non, j'ai l'air de rien pouvoir prendre ici. Je sais pas où sont les autres produits. Hein. Verser l'acide. Il y a déjà tout? Mélanger et tester la solution. Ça va marcher, non? Attendez. Ah, il manque un verre d'eau, je pense, et deux produits. Mais je trouve où ces produits? Merde, ben je sais pas, les enfants. Parce que là, on a tout fouillé, il n'y avait pas d'autres produits. Hein.
Tant qu'elle repasse, on va se remettre là au cas où. Je sais pas où trouver les autres produits là. Regarde l'inventaire. J'ai un inventaire. Je sais plus où il est. Ah, je peux peut-être pas là-dedans. Putain, ça fait pas du tout du bruit. Bouteille contenant de l'acide. Clé rouillée. Ah non, j'ai que l'acide. Merde. Ah putain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai que l'acide. Il me faudrait de l'eau et un autre truc. L'assassin. Ouais, je peux. Mais regardez, il y a des trucs transparents. Je pense qu'il me manque des trucs. Mais je sais pas où ils sont les autres. C'est ça qui m'embête. On clique sur la table. Ah si, ah mais d'accord, faut sélectionner le... Ah ok. J'ai rien dit. Donc on a l'eau, le l'iodine, l'acide. Ouais mais attends, il y a plein de trucs en fait. Oxalic, rust, water. Ah non, rust c'est le truc que je suis con, putain. Donc il faut l'eau salique et water. Oxalique. Voilà. Je suis un peu bête, j'avais pas compris, ouais. J'avais pas compris. Et de l'eau. Mélanger des associations. Là normalement on est bon. Yay. Parfait. Il n'y a plus qu'à repartir. Je peux aller par contre. Et le bilou ? Je veux dire pipi. Non, elle vient jusque là, mais elle est jamais venue jusque là, si ! Non, j'avais réussi ! J'ai regardé passer en mode. Oh putain. Bon, par contre, je sais pas du tout où elle est du coup. Suspense. Je sais pas où elle est. J'ose pas sortir. On va attendre qu'elle passe tranquillou, je pense. On va pas se presser, ça me ferait chier de recommencer. C'est quoi avoir des palpitations et une crise cardiaque? Ah, il est stressant le jeu quand même. Je sais pas où elle arrive là ou pas. Je vais dire pipi. Ah, elle arrive. On va aller ouvrir la porte et on va faire une pause pipi.
Oh yeah. Ouh, elle va passer juste devant. Stressant quand même, stressant. Bien passé juste devant le casier. Rococo, ouais. On va attendre un peu. What? Pourquoi elle est encore dans la pièce, hein? Oh, je me suis chié dessus! Elle était juste face à moi, quoi! Faut retrouver Jane. C'est toujours. C'est toujours la mission de toute façon. Hein. On n'a pas changé depuis le début du jeu, c'est ça. Jane? Merde. Ah! Non! Ah! Ah! Sors de. Cet inventaire! Tim rentre si tard récemment. Je dors déjà la plupart du temps. Comment peux-tu t'occuper de ta famille si tu continues comme ça? Je sais qu'il faut être patiente. Tim dit qu'il aura plus de temps l'année prochaine. On pourrait... Pardon. Fonder une famille alors. Ah, ça serait si bien. Nous nous sommes peu parlé ces derniers temps, mais il était le seul qui m'écoutait. Peu importe ce dont il s'agissait, il était toujours derrière moi. Parfois... Ça, je l'ai ok, pardon. Je m'ennuyais avec mon livre, mais il était là pour moi. À me souffler des idées plates, mais il était là. Ça comptait. Des idées plates, qu'est-ce que c'est que ça? Jane? Attends, je fouille. Jane doit être dans un autre bâtiment, trouver un chemin vers elle. Là, il y a clairement un truc à faire. Putain, mais arrête de ranger ta lampe touche. Ta lampe. Ah! Ah oui, c'est ce qui arrive. T'en enlèves une cup trop vite. Oh putain, il va y avoir encore une connerie. Dégueu. Très bien. Je sais pas ce qu'ils ont avec les chiottes. Mais ils sont comme dans Silent Hill, quoi. Toujours une connerie dans les chiottes. Ah. Là, je peux pas essayer de l'ouvrir. Ok. C'est quoi, Zoé? Il y a eu un bip. Je peux prendre l'ascenseur. J'ai pas tellement envie. C'est grand en fait. Merde. Ah ok, il me faut une carte. Il me faut une carte. Bon, il faut vraiment que j'aille faire pipi par contre. Pour ceux qui regardent cette Rediff Live, c'est la fin de la Rediff Live. Et oui, je sais, c'est triste. Merci d'avoir regardé. Des gros bisous et à très bientôt.